storm, I will survive. Maman? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ce n'est rien. C'est juste qu'aujourd'hui serait le jour d'anniversaire de votre père. C'est triste qu'on ne va plus le voir. Il était un bon père pour nous. Il aurait été un bon père pour vous. Il vous aurait traité avec beaucoup d'affection. Et d'amour. Maintenant qu'il m'a quittée, il m'a laissée toute seule. Tu n'as pas à t'inquiéter, maman. Nous sommes là pour toi. Je sais. Je vous aime toutes les deux. Entends aussi, maman. Sometimes you win, sometimes you lose, but I'll be strong, I'll keep going on, through the storm, I will survive, I'll be strong. Hey, oh. Salut bébé. Salut. Le manager demande les documents que je t'avais envoyés. Oh. Ah oui, il a dit que c'est pour le nouveau projet. Ok, je les lui envoie d'un moment à l'autre. D'accord. C'est bon, merci. J'avais vu les photos de ton défunt mari sur ton profil WhatsApp. Hier, c'était son anniversaire, c'est ça? Oui. Je sais que cela a ravivé beaucoup de souvenirs. Bien sûr que oui. Ça n'a pas du tout été facile. Je sais. Et surtout, se retrouver seul avec ses enfants, c'est pas facile. Merci. Tu sais, mon souhait, c'est de trouver un homme avec qui partager cette douleur. Mais par expérience, dès qu'il découvre que j'ai des enfants, tout s'arrête. Je comprends. Tu sais, c'est difficile pour une mère célibataire d'un enfant de trouver un homme. Alors, que dirons-nous de celle qui en a deux? Je comprends. De nos jours, ce n'est pas facile de trouver un homme qui peut accepter une femme avec toute cette charge. T'inquiète pas, cet homme-là viendra. Tu es sûre? J'attends voir cet homme qui va m'accepter tel que je suis, d'un amour inconditionnel. C'est lui qui va m'accepter avec mes défis. T'inquiète, cet homme viendra. À mon avis, si un homme t'aime pour de vrai, tes enfants ne poseront pas problème. Amen, amen, amen. Bien sûr que par la grâce de Dieu. J'envoie les documents au DG, je te mets en copie, comme ça on pourra travailler ensemble. D'accord. Et pas de bêtises, ok? Merci. Bye bye. Voilà. Salut. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment tu vas, Beverly? Merci. D'accord. Tu as fini ton travail, n'est-ce pas? Oui. Ok. Tu as vu les documents que je t'ai envoyés par mail? Oui, je vous ai déjà envoyé les rapports. D'accord. Bon, je le verrai après. Je suis très fatigué. Nous revenons juste du bâtiment administratif pour une réunion. Et donc, il est là pour... C'est pour son document d'embauche? Oui, bien sûr, voilà. Ok. Félicitations d'avance, ça c'était un créneau alléchant. Et croyez-moi que c'est l'endroit qu'il vous faut. Merci, je pense que je vais considérer ton conseil. En fait, je vais en acheter 3 au lieu de 2. Oh, fantastique, je vous promets que vous n'allez pas le regretter. Merci. Je vous fais un document.
Merci. Bon, okay. Je dois partir maintenant. Merci, monsieur. Attends un peu. Mais qui est cette femme? Quelle fille? La femme à qui je viens de parler, bien sûr. Oh, tu veux dire Beverly? Elle est notre directrice des ressources humaines. Mon cher, elle est vraiment belle. Vraiment, tout le monde le dit. S'il te plaît, je peux avoir son numéro? Oh non, malheureusement, je ne peux pas. C'est interdit dans notre déontologie. Je ne peux pas donner à un client le numéro d'un agent. Tu ne peux pas briser la politique de votre compagnie? Oh, monsieur Raymond, pourquoi ne pas venir demain le matin? Comme ça, tu vas lui parler. Ok, très bien. D'accord. Tu me verras au bureau demain très tôt le matin. Pas de problème. Merci beaucoup. On se voit demain. Merci pas de problème. Beaucoup. Merci. Oui, pas de problème. Tonya! Tonya, j'ouvre la porte! Attends. Mes bébés, comment vous allez, mes anges? Nous allons bien. Comment ça a été à l'école? Ça s'est très bien passé. Qu'est-ce que c'est? Ah, on ne sait pas. On n'a pas ouvert. Est-ce que tout va bien, maman? C'est en rapport avec les frais de logement. Malheureusement, je n'ai pas d'argent maintenant. Et là, il commence déjà à nous faire pression. Dieu va nous aider, maman. Amen. Venez, ça va aller. C'est bon, avez-vous déjà mangé? Oui. Sûr? Bien, donnez-moi le temps de me rafraîchir, d'accord? Ok. Beverly, tu devais m'envoyer les documents de Chief Badmoose. Beverly? Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va. C'est juste le problème de loyer qui me fait un peu mal à la tête. Je cherche comment trouver une solution dans ce sens. Être une mère seule n'est pas du tout facile. Je sais que c'est difficile. Je le sais. Mais tu es une femme forte. Dieu pourvoira, ok? Amen. Salut. Bon après-midi. Salut les belles dames. Bon après-midi, monsieur. Non, asseyez-vous, asseyez-vous. Ah, ok. Comment vas-tu? Oui, ça va. Vous êtes venu voir le DG? Non, je suis là pour te voir. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Non, pas du tout. Je veux juste que nous puissions parler. Dans ce cas, prenez place. Pas ici. Est-ce qu'on peut se voir dans un endroit calme après le travail? Je ne pense pas que ça sera possible. Je dois faire quelques rapports pour mon boss avant la fin de cette journée. Et j'en ai plein sur la table. Ok. Bon, dans ce cas... Bon après-midi, M. Badmoose. S'il vous plaît, j'aimerais inviter Beverly à sortir, mais elle m'a dit qu'elle a un rapport à vous soumettre aujourd'hui. Est-ce qu'elle peut le déposer demain, s'il vous plaît? Très bien, merci beaucoup. Maintenant, tu n'as plus d'excuses. Ok, pas de problème. Alors, je passerai te chercher après le travail, d'accord? Ok. Très bien. Merci, mesdames. D'accord. À bientôt. Bye-bye. Je vous en prie. C'est comme si quelqu'un a un rancard. C'est juste une simple sortie. C'est comme ça que ça commence toujours, ok? Donc, pars et puis tu vas me raconter tout ce qui va se passer. Ça, c'est tout ce qui te préoccupe. J'accepte. J'attends de nouvelles. Vas-y, je t'envoie les documents maintenant. Ok. Allez, arrête de trop réfléchir, ok? N'oublie pas d'envoyer les documents. Bien sûr.
Merci beaucoup pour la soirée. J'apprécie. Je suis content de le savoir. Bien, parle-moi un peu de toi. Qu'est-ce que tu veux savoir à mon sujet? Tout ce que tu peux dire. Ok, je m'appelle Beverly. Je suis responsable des ressources humaines à la compagnie NBA Real Estate. Je vis seule, je n'ai pas de relation. Je fais partie de femmes bosseuses du Nigeria. J'aime beaucoup les femmes qui travaillent dur. Ok, je n'ai pas d'autre choix. Je dois bosser dur puisque j'ai des responsabilités à assumer. Quelles sont ces responsabilités que tu as? Est-ce que ce n'est pas seulement prendre soin de tes besoins? Ce n'est pas comme si tu avais des enfants pour lesquels tu te bats. En as-tu? Ok, bien, on a déjà assez parlé de moi. Parlons de toi. Tu m'as dit que tu venais juste du Canada. Ouais. Dis-moi, comment tu vois la vie ici par rapport au Canada? Comment la vie à l'étranger? Très intéressant, même s'il fait vraiment froid, mais je suis déjà habitué au froid. Bien, quel est le climat que tu préfères le plus? Celui du Canada ou celui du Nigeria? Bien sûr, le froid du Canada. Oh, c'est vrai. Oui, le système est vraiment fantastique. C'est vraiment merveilleux, très merveilleux. T'inquiète. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Oh maman, pourquoi tu t'es rentrée tard? Oh, j'étais sortie après les boulots. C'était un homme ou une femme? Un homme. Oh, c'était une sortie amoureuse. Jeune fille, qu'est-ce que tu sais de l'amour? Oh, mais j'ai 15 ans et non 5 ans. Les enfants du 21e siècle, vous êtes très curieux. Enfin, ce n'était pas un rencard, c'était juste une sortie. Une sortie et tu souris de la sorte? Tonya, je souris comment? Nous te soutenons, maman, t'inquiète. Faut pas avoir peur, tu vois. Alors, Beverly, raconte-moi, comment c'était hier? Regarde celle-ci, commère, tu veux tout savoir, tu m'as même pas dit bonjour. Oublie cette chose, s'il te plaît, et raconte-moi, les rencarts, c'est passé comment? Quel rencard? C'était pas un rencard, on est juste sortis. Et comment appelleras-tu le rencontre des deux adultes hors de la maison, si c'est pas un rendez-vous? Même si vous partez manger le beurre d'arachide ou soit les pains, c'est toujours un rencard. Elle y laisse tomber. Alors, raconte-moi, est-ce que vous êtes embrassés ou... Embrassés ou non? Nous avons juste parlé de nous-mêmes et c'est tout. Tu lui as parlé de fille? Non, ils n'ont pas parlé d'une relation, alors pourquoi je dois lui étaler toute l'histoire de ma vie? C'est comme si tu ne sais pas ce qu'il veut. Oh non, puisqu'il ne m'a pas encore abordé dans ce sens, je garde mon sang-froid. Ok, madame. Peu importe, on m'a remis ton colis à la réception. Un paquet? Venant de qui? Monsieur Raymond, bien sûr. C'est magnifique. Laisse-moi voir. Oh mon Dieu. C'est très beau. C'est bien. Oui. Oh, c'est beau. Oh, Seigneur. Je suis flamand. C'est très mignon. Allô? Dis-moi, as-tu reçu mon petit cadeau? Oh, comment ça? J'aime, c'est très aimable. Je suis content que tu l'apprécies. J'aime bien. Où es-tu? Je vais voir rapidement quelqu'un. Est-ce qu'on peut se voir aujourd'hui après ton travail? Au restaurant? Oui, oui. Ok, d'accord, à tantôt. Ok, bye. Bye. Un autre rencard, c'est ça? Apparemment. J'espère qu'il ne va pas te décevoir comme tout le reste. J'espère bien. Ok. Tout ira bien, t'inquiète. Oh, j'adore ton cadeau. C'est beau. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu es vraiment belle. Merci.
Tu n'es pas laid, toi non plus. Mais je suis content, je ressemble à un monstre, mais je suis près d'une beauté comme toi. Désolée. C'est quoi le problème? Tu m'as l'air inquiète. Ah. C'est pour le frais de logement. C'est combien? Non, Raymond, je vais le régler seul dès que j'aurai mon salaire. S'il te plaît, laisse-moi t'aider, Beverly. Je t'aime, Beverly. Alors laisse-moi t'être utile, Beverly. J'insiste. Ok, c'est 1 000 000 naira. S'il te plaît, insère là le numéro de ton compte. Transféré. Ça, 50 millions de naira. Eh oui. 1 million pour la facture et les 500 000 pour les autres charges. Merci. Merci beaucoup. Tu ne sais combien tu m'as soulagé. Je t'aime, Beverly. Et ceci n'est que le commencement. Bienvenue, salut, maman. Le fille. Bienvenue, maman. Comment vous allez? Nous allons bien. Comment s'est passée la journée? Très bien. J'allais te demander pourquoi tu es venue en retard, mais en voyant ton visage et ton sourire, j'ai tout conclu. C'est quoi cette raison évidente? Tu t'es sortie avec ton amie. Ah. Vous n'êtes pas du tout sérieuse. Ok, d'accord. J'étais avec mon amie. Oh, attends. Lui as-tu parlé de nous? Quand est-ce qu'il va nous voir? Maman, allez-y doucement. Mettez bas la terre, s'il vous plaît. Bien sûr qu'il vous verra au moment opportun. Ok. D'accord. Okay. Est-ce une bonne personne? Yeah. Il est très mignon. Oui. Ok. D'accord. Bye. Donc, tu veux dire qu'il t'a remis 1 000 000 naira juste comme ça? Oui, yo. Waouh, il doit vraiment t'aimer. Ah, et je l'aime aussi. Alors, est-ce que tu l'as parlé de fille? Non, pas encore. Parfait, tu lui diras si seulement votre relation devient solide. Évidemment. Allô, chérie. Oui, bébé, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et toi? Oui, ça va. Je vais même inspecter la construction qui est en cours sur la propriété que je viens dernièrement d'acheter de votre compagnie. Oh, je vois. Est-ce que nous allons nous voir aujourd'hui? Non, je crois que je dois rencontrer quelques clients aujourd'hui et demain. Es-tu disponible demain? Demain, c'est le week-end. Je dois faire la lessive. Mais nous pouvons nous voir chez toi. On peut même faire la lessive ensemble. Oh, non, t'inquiète pas pour ça. Non, laisse-moi m'inquiéter, oh. Faut pas t'en faire pour ça. J'ai même besoin de savoir où tu habites. Non, y a pas de problème. Allons d'abord chez toi, après on pourra aller chez moi. Ça ne dérange pas. Mais pourquoi tu donnes l'impression de ne pas vouloir que je sache où tu habites? Même si tu habites dans un trou, ce n'est pas un problème, moi je t'aime comme ça. Je sais, le problème est que tout est pêle-mêle chez moi à la maison, alors je dois ranger les choses. On va les nettoyer ensemble. Ok. Je t'enverrai l'adresse. D'accord. On va se voir demain alors.
Ok, bye. Aminata, je suis dans le trouble. Qu'est-ce qu'il y a? Il insiste à venir chez moi. C'est le week-end. Les filles seront à la maison. C'est pour ça que tu paniques? Oui, puisque je ne lui ai pas encore parlé de mes filles. T'inquiète, je peux, je reste là. Je viendrai prendre les filles et nous serons rentrés quand il sera parti. Ah, merci beaucoup, Aminata. Tu m'as sauvé la vie. Je t'en prie. As-tu déjà soumis les documents chez Monsieur Badmoss? Pas encore, mais me voilà faire le commérage. Je vois que tu as besoin d'être avisé. Je crois que c'est maman. Bonjour, merci, les filles. Maman. Ça va? Nous allons comment bien. S'est passée votre journée? Maman, tu n'es pas sortie avec ton ami aujourd'hui? C'est devenu une affaire gouvernementale. Tu dois me reposer. Oh, demain c'est le week-end. Tu auras le temps de te reposer. D'entrée de jeu, j'ai demandé à tantine Amina de venir vous chercher demain pour faire une sortie. Ouais. Franchement, ça fait longtemps qu'on est sortis. C'est pourquoi je lui ai demandé de vous ramener à la maison après 19h. C'est bien, je suis impatiente. Vous avez mangé? Vous avez pris le dîner? Ouais. Ok, d'accord. Donnez-moi le temps de me rafraîchir. Ok. Toi aussi. Oh. Une fille, est-ce que vous êtes prête? Oui. Ok, tu as bonne mine. Regarde-toi. Amina, oui. Tu es là. Comment Bonjour. Tu vas? Je vais bien, Bonjour, merci. Les filles t'attendent. Ok, alors partons. Bien sûr que oui. Bye. Oui. Profitez de votre temps. Au revoir. Merci. Bye. Allô, chérie? Comment tu vas, mon amour? Je veux bien, merci. Tu viens maintenant ou... Je suis déjà tout prêt. Bientôt, tu vas me voir. Oh, vrai? Laisse-moi aller finir alors ce que je prépare. Que prépares-tu? C'est une surprise. Je sens que la journée sera pleine de surprises. Oh, j'espère bien. Ok, alors. À tantôt. À bientôt. Je t'aime. Je t'aime aussi. La nourriture est incroyable. Merci. Et une cuisinière exceptionnelle. Merci beaucoup. J'attends que tu goûtes les jollof rice. On vient de cocher notre point dans ma liste à cocher. C'est quelle liste? Bien, j'ai une liste à cocher pour les choses que je cherche chez ma femme et tu viens juste de passer les tests de cuisine. Oh, vraiment? Qu'est-ce qu'elle gagne, cette personne qui remplit toute ta liste? L'anneau de mariage. Waouh! Quel autre détail reste sur cette liste? On va le découvrir. Oh, excuse-moi, je dois prendre cet appel. Oui, ça va. C'est mon collègue. Ça ne dérange pas. Allô, Amina, je suis là. Sonia ne va pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Je ne sais pas. Elle ne fait que vomir. Pourquoi? Je crois que c'est la pizza qu'elle avait mangée. Je lui avais donné les calmants, mais ça ne va toujours pas. Alors, je veux la ramener à la maison. Ok, tu peux le ramener. Est-ce que Raymond est là? Oui, il est encore là. Mais je veux chercher comment les décharger dans la mesure du possible. Ok, pas de problème. Je suis vraiment désolée pour l'interruption. Non, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas ta faute. D'accord, à tantôt. Ok, laisse-moi les décharger avant que vous ne mettez vos pieds ici. C'est bon. Désolée pour le temps que je t'ai pris. Non, ça va. On peut répondre là où nous nous sommes arrêtés. Là, c'est quand je vais venir chez toi demain. Je dois monter au bureau. Amina vient de m'appeler pour un dossier qui est très,
très urgent. Ok, d'accord. Je peux te déposer. Non. Puisque tu travailles beaucoup, je dois faire 3 scales avant d'arriver au bureau. Ne te dérange pas, nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés demain. D'accord? Pas mal, on peut se voir demain alors. Absolument. Très bien. Ok. Merci beaucoup pour ce repas, c'est vraiment fantastique. Il n'y a pas de quoi, c'est bon? Non, ça va comme ça. Ok. Merci beaucoup. C'est bon. Laisse-moi t'accompagner jusqu'à la porte. Très bien, merci. Bye. Bye. Hé, hey, mes chéris. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment tu te sens? Le ventre me dérange. J'ai envie de m'allonger. Ok, on y va. Monte. Merci, Amina. D'accord. Désolée, mes chéris. Désolée. Oh non. Je dois avoir oublié mon portefeuille chez Beverly. J'arrive. Salut. Salut. Bon après-midi. Bon après-midi. Hé, hey, Raymond, que fais-tu ici? Je pense que j'ai laissé mon portefeuille ici. Oh, je n'y pense pas. Est-ce que tu as regardé dans le véhicule? Non, il n'y est pas. Ok, tu peux le chercher. Mais toi, tu m'as dit que tu allais au bureau, n'est-ce pas? Ok, j'étais juste au point de sortir avant que tu ne viennes. Ok. Alors, je te vois aujourd'hui? Oui, certainement. On se reverra. À tantôt. Peux-tu faire ce que je t'avais dit de faire? Absolument, je le ferai. Peu importe. Bien. Je t'aime. Je t'aime aussi. Bye! Maman, Sonia continue de vomir. J'ai très faim. J'ai comme l'impression que j'ai vomi tout ce que j'avais mangé. Hein? Je suis désolée, bébé. Donc, tu as 2 enfants, mais tu ne m'as jamais rien dit? J'aurais fini par te les dire. Quand? J'attendais les moments opportuns. Je ne savais pas comment tu allais t'y prendre. Tous les hommes avec qui j'étais en relation m'abandonnaient quand ils apprenaient que j'avais 2 enfants. Je t'aime beaucoup, je ne veux pas te perdre. Écoute, je t'apprécie beaucoup, mais je ne peux pas, tu vois, épouser une femme qui a déjà un enfant, pour ne pas dire 2 enfants, tu vois. Moi-même, je n'ai même pas d'enfant. Et maintenant, tu veux que je commence ma famille avec une femme qui en a déjà 2? Non, elles vont rester à ma charge comme je l'ai toujours fait depuis. Je suis désolé, mais on ne peut pas être ensemble dans ce genre de conditions. Sous la table. Je n'ai pas faim. Mais tu ne peux pas te faire du mal à cause de lui. Elle a raison. On n'a pas besoin de lui. Nous sommes déjà bien comme ça. Nous vivons seuls depuis que notre père nous a laissés. Et nous allons continuer à vivre ainsi.
Merci, mes chéris. Beverly, tu vas bien? J'ai les cœurs brisés. Mais ça va aller. Beverly, je suis désolée à la manière dont toi et Raymond nous avez rompus. Mais à vrai dire, tu ne l'as pas vraiment perdue, parce qu'elle t'a aidée avec les loyers. Tu as raison. Ça, c'est vrai. T'inquiète pas, ok? Un jour, tu trouveras un homme qui va t'aimer, toi et tes enfants. J'en ai fini avec les hommes et les relations amoureuses. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de me concentrer sur mon travail et de prendre soin de mes enfants. Je comprends. C'est bon. Peu importe, j'étais venue te dire qu'on aura la visite des nouveaux clients demain matin. Ok, pas de problème. Donc, tu dois arrêter de réfléchir et te mettre au travail, ok? Aminata, merci d'être une bonne amie. Je t'en prie. Tonia, j'en avais vraiment besoin. Merci pour le massage. Merci, maman. Où est-ce que tu as appris à faire ça? Je crois que c'était en ligne. Ah, c'est toujours en ligne. Toujours sur Internet. Regarde-moi celle-ci. Qui veut dire ces sourires? Comment tu vas, chérie? Je vais Qu'est-ce bien. Qui te fait marrer? Maman? Oui. On a acheté pour toi ça. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le. Ah, c'est un bracelet. Mm-hmm. Oh, c'est très aimable. Ouais, on t'a acheté ça pour te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Oui, et pour te dire qu'on t'aime beaucoup. Tu n'as pas besoin d'un homme. Bien sûr que je n'ai pas besoin d'un homme. Je vous aime beaucoup, les filles. On est désolé que ce n'est pas très cher. C'est tout ce qu'on pouvait acheter. Approche, je vais vous dire une chose. Vous voyez ça? C'est les plus coûteux des bracelets et les plus précieux articles qui peuvent exister dans ce monde. Vous savez pourquoi? Parce que ça vient de mes filles. On t'aime, maman. Je vous aime autant. Allô Beverly, où es-tu? Tu dois te dépêcher, nous sommes sur le point de partir. Ok, c'est bien, je cherche alors un moyen. Dépêche-toi, s'il te plaît, vite. Mon Dieu. Oh. Dépêche-toi vite, le directeur nous attend. Salut. Bonjour, monsieur. Ok, je m'appelle Folarine. Moi, c'est Beverly. Enchantée. Enchantée. Tu as une très belle montre sur ta main. Merci. C'est un cadeau. Oh, je vois. Tu travailles pour cette entreprise? Oui, je suis la responsable des ressources humaines. Sérieux? Nous pouvons aller. Notre structure va s'arrêter à ce point. Ok. C'est jusque-là. Nous mettrons deux bureaux jusqu'ici. Oui, il y a vraiment de l'espace. Et là, juste à côté, il y aura les guérites. Tu es sûr que de l'eau ne va pas nous causer de problème? Non, l'effondrement est très profond. Et tout est bien fixé par rapport
aux exigences de l'environnement. De l'eau est bien canalisée, nous ne serons pas dérangés. D'accord. Nous avons des ingénieurs experts. Ils assument. Merci pour m'avoir fait visiter. Ok, je ne faisais que mon travail. Vraiment, et tu m'as convaincu que c'est joli. Et déjà, je pense en avoir plus. Pas un? Non, trois. Oh, waouh, c'est fantastique. Ça oui. Sera de bon business. Vous pourrez même mettre des locataires de l'autre côté. Oui, bien sûr. Comme ça, je ferai plus d'argent. C'est ça. Dans ce cas, donne-moi ton numéro. Pourquoi? Je peux t'appeler au cas où j'ai besoin d'un éclaircissement ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez eu le flyers de notre bureau? Oui, bien sûr. Viens, il y a des numéros qui sont là. Vous pouvez appeler. Oh. Au cas où mais vous tu sais que nous avons déjà créé une très bonne relation. Monsieur, nous avons un service de clientèle très impeccable. Ils sont à même de répondre à toutes vos préoccupations. Ok, pas de problème. Je dois maintenant partir. Nous pouvons vous accompagner. Oh, c'est très gentil de votre part. C'est bien. J'ai vraiment apprécié. Je vais t'envoyer de l'eau à boire. Bienvenue, hey, maman. Salut, mes chéris. Comment vous allez? Nous allons bien. Comment se passe le boulot? Très bien. Et à l'école? C'était très bien. J'avais fait le théâtre. Vraiment? Donc, vous voulez être des actrices? Oui. C'est ça? Et toi? Prends ça, maman. Merci. Prends ça. Ça, c'est très bon. Ah, merci. comme c'est bon. C'est très bon. Dis-moi, qu'est-ce que tu as dit aujourd'hui? Bon après-midi, Beverly. Ah, bon après-midi, Monsieur Philomy. C'est pour le paiement, je oui. crois. Prenez place. Merci. Oh. C'est une transaction, vous n'allez pas le regretter. Je le sais. Comment se passe ton travail? Le boulot se passe bien. C'est une très bonne chose. Aujourd'hui, tu n'as pas mis ta jolie montre comme d'habitude. Oh non, je ne l'ai pas mis aujourd'hui. Ça fait combien de temps que tu travailles pour cette entreprise? Ah, désolé monsieur, je ne saurais être à la machine et vous répondre en même temps. D'accord, je comprends. Ok. Et si donc on discutait pendant tes heures de pause? Ah, désolée. Comme vous pouviez le constater, j'étais occupée avant votre arrivée, alors j'ai tellement de choses à faire. Je ne pense pas finir avant 7 heures. Ok. Et si je te proposais un rendez-vous après ton travail? En fait, j'ai beaucoup de dossiers sur ma table. En fait, désolé pour ces dérangements. Et si on se parlait juste pour 30 minutes? S'il te plaît. Ok, pas de problème. Merci. Dans ce cas, je vais t'appeler. Oh non, c'est pas nécessaire. Envoyez-moi juste l'adresse. Ok, ok. Mais tu ne m'as pas encore donné ton numéro. D'accord. S'il vous plaît, mettez-moi l'adresse sur ce papier. Ok. Mais je crois que c'est toujours nécessaire de me donner ton numéro. Comme ça, je vais t'appeler quand tu seras à la recherche de l'endroit. Ah non, ne vous dérangez pas pour moi. Je vais bien me débrouiller. Je suis tellement familier à cet environnement. Ok. Ok, je t'ai aussi laissé mon numéro. Au cas où il y a des nouvelles marchandises, vous pouvez m'appeler pour une livraison. Ok, merci beaucoup, il n'y a pas de problème. Je t'en prie. Je viens juste d'envoyer les documents au service de comptabilité. Vous pouvez aller voir les comptables. Oh, c'est vraiment très gentil d'accord. de votre part. Merci.
tu verras que toutes les rubriques sont reprises dans les classeurs. Si tu prêtes attention, tu verras que ça c'est 200 et ici c'est 400 000, oui. Tu en discutes avec lui, je crois. Bien sûr que oui. D'accord. Bon après-midi, mesdames. Bon après-midi, monsieur. Comment va votre travail? Ah, ça va. Beverly, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas tenu à ta promesse. Désolée, j'avais perdu de vue. Vraiment, tu avais oublié? Tu vois pourquoi je t'avais demandé ton numéro? Mon téléphone a un problème, c'est pourquoi je ne vous ai pas donné mon numéro. Oh, c'est vrai, je ne savais pas que c'était ça le problème. Je suis vraiment désolée. D'accord, je comprends. Comme ça, je vous laisse travailler tranquillement. D'accord, monsieur. Bonne journée à vous. Bye. Madame, tu ne m'avais pas dit qu'il t'avait invité à sortir. Bien, j'étais à autre chose et je n'ai pas trouvé ça intéressant. Pourquoi? Tu me demandes pourquoi? Non, s'il te plaît. J'ai d'autres choses dans ma tête. Je n'ai pas le temps pour les hommes maintenant. Je dois rester focalisée sur ce que je fais. Approche, je te montre ce que tu dois faire. D'accord. Bien, trouve comment entrer en contact avec ses partenaires puisque nous devons compléter leur dossier. Beverly, une fille chanceuse. Allô? Allô? Qui est là au téléphone? Je m'appelle Beverly. Oh, Beverly. Maintenant, ton numéro est opérationnel. Bien. Et je l'ai eu avec vos coordonnées. Pourquoi vous m'avez acheté le téléphone? Tu m'as dit que ton téléphone avait un problème. J'ai jugé bon de t'en acheter. Mais je ne voulais pas demander. Tu n'étais pas obligée de le faire. Bien, je n'ai pas besoin de ce téléphone et je ne veux pas l'avoir. Pourquoi? Je ne peux pas le prendre juste comme ça. Dans ce cas, tu pourras le jeter ailleurs puisque je ne peux pas le récupérer. Qu'est-ce que vous voulez exactement de moi, monsieur? Rien. Je veux juste que tu aies un téléphone pour être joignable. Je suis désolée de vous décevoir. Si tu veux que je le récupère, dans ce cas, on se retrouve au restaurant où nous sommes vus l'autre fois. Bien. À quelle heure? À 17h. Ok, je serai là. Ok. À plus. Au revoir. Wow, je me disais que tu n'allais plus venir comme l'autre fois. Tenez, le téléphone est bien dedans. D'accord, je le verrai après. On doit d'abord manger quelque chose. Ce n'est pas pour manger que je suis venue ici. Il y a un taxi qui m'attend dehors. S'il te plaît, demande au taximan de partir. Tu as eu une journée très surchargée. Je sais que tu as très faim. Ok, attends. Qu'est-ce que vous faites? Vous laissez le téléphone sur la table? Est-ce que tu vas manger quelque chose?
Merci beaucoup pour les repas, j'en ai profité. Je suis content que tu l'aies apprécié. Vous pouvez avoir votre téléphone maintenant. En fait, c'est juste un cadeau. Et c'est pour notre attachement, ok? Comme ça, tu peux l'utiliser pour m'appeler. Ça ne me dérange pas. Ok, merci. De rien. Je dois partir maintenant. L'air est avancé. Ok. Prends ça. Vas-y. C'est pour? Tu peux l'utiliser pour ton transport. Ce n'est pas assez? C'est beaucoup. Merci. Oui, merci. Pourquoi? Pour avoir accepté le téléphone. Je m'en vais maintenant. Ok. J'espère que ça ne vous dérange pas. Sans problème. Merci beaucoup. Ajoutez-moi un verre, s'il vous plaît. Salut maman. Hey mes bébés. Comment ça va? Ça va bien. C'est l'heure du dîner? Ouais. Désolée, on ne t'a pas attendu pour manger ensemble. Il n'y a pas de problème, ne vous dérangez pas. Ok. Qu'est-ce que tu as mangé? Mon ami m'a apporté le dîner. Ami? C'est encore quel ami maman? Vous commencez avec vos questions. Vous voulez commencer avec vos questions? C'est un ami homme ou femme? Excusez-moi. Allô, Foularine? Oui, je suis déjà à la maison. Merci pour la soirée et les téléphones. D'accord, bye bye. Donc, tu as un nouveau téléphone maintenant? Oui, c'est mon ami qui m'a fait cadeau. Ami? Oui. Qui est cet ami? Ne vous posez même pas des questions, c'est un ami simple. Je ne veux pas briser mon cœur de nouveau. Est-ce que tu vas bien? Viens. Maman, je veux m'asseoir à tes côtés. C'est pourquoi tu n'arrives pas à finir ta nourriture? Cherche aussi à finir ta nourriture. Je vais voir comment trouver une solution à propos, d'accord? Ok, maman. Ok. Désolé. Merci. Désolée, mon amour. Donc, c'est vrai qu'il t'a acheté un iPhone 13? Ma sœur, c'est étonnant. Je lui avais dit que mon téléphone avait un problème. Bébé. Dis-moi la vérité. Est-ce que ton téléphone a un problème? Bien sûr que non, c'était juste pour m'échapper. Méchante fille. Tu sais, ce qu'il fera ensuite, c'est te dire qu'il t'aime. Et par après, il va s'enfuir quand il saura que tu es une mère célibataire avec deux enfants. C'est ça le problème. S'il veut, il n'a qu'à fuir ou s'envoler. En ce qui me concerne, je ne cesserai pas de prendre les cadeaux qu'il m'amène. Et s'il m'avoue ses sentiments, j'aurai de l'avantage sur lui. Parfait. Est-ce que tu lui avais demandé de t'acheter des cadeaux? Pose-moi la question. Allô, Foularine? Tu as aimé mon petit cadeau, n'est-ce pas? Oui, je l'ai vu. C'est très aimable. Merci. Non, merci. Tu me remercies. Pourquoi? Pour m'avoir donné l'opportunité de te rendre heureuse. Tu es très doux. Je suis très heureux de l'écouter. Est-ce que je peux te prendre un peu ton boulot aujourd'hui? Non, je dois aller au salon de coiffure après le boulot. Ok, je peux te rejoindre, n'est-ce pas? Tu veux me suivre au salon? Bien sûr. Est-ce que ça te dérange? Non, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord, je viendrai te prendre.
Ok, d'accord. Je vais vous attendre. Bye. Donc, je vais te suivre jusqu'au salon. Ma sœur, je n'ai encore rien vu. C'est l'amour qui le pousse, t'inquiète. Laissez-le. Dès que je lui présenterai mes défis, tout ceci va disparaître. Il ne sait pas à quoi s'attendre. Nous sommes qu'au début. Ah, as-tu fini? Ça. J'ai fini, ok. As-tu déjà tout fermé? Oh, oui. Ok. Tu ne profites pas d'aller au salon avec moi? Ma belle, je crois qu'il doit en être informé. Qui et de quoi? Je crois que je dois introduire les filles à Follarine. Si tu le dis, il va s'en aller. Le mieux serait que je le dise maintenant. S'il m'abandonne, il n'y a pas de problème. Je ne préfère pas qu'il les découvre de lui-même. Ça ne sera pas intéressant. Je vais corriger ce que j'ai fait dans le passé. Es-tu sûre de ça? Ok, si tu l'as dit. Je sais qu'il y a un problème. Alors parle-moi. Je veux te dire quelque chose. Ok. Peut-être que tu as besoin d'argent? Non, j'en ai pas besoin. C'est plus important que ça. C'est quoi le problème? Tu es un homme très gentil et je ne vais pas te cacher certaines vérités. Tu commences déjà à me faire peur. Peux-tu aller directement tout droit au but? Je ne sais même pas par où commencer. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis une femme seule avec des enfants. Il y a 15 ans passés, ça se regarde n'est pas un peu celui-ci. Es-tu sûr? Tu parles. Ok, j'éteins de l'autre côté. Es-tu sûr que ça va m'aller? Vas-y, prends-les, prends cela. À partir d'ici. J'ai entendu du bruit là-dehors. Chut, ne bouge pas. Silence. Oh! C'est Jésus, pas vrai. Allez, Jésus, couche-toi. Jésus, si j'entends ta voix. Monsieur, oh non, regardez-moi cette beauté. Où est l'argent? Non, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent ici. Oh. Tais-toi, où est l'argent? Il n'y a pas d'argent ici. Mec, qu'il fasse vite, on a besoin de cet argent, on a pas assez de temps. Baise-la. Ouvre-moi ça. Dépêche, les gars, on doit partir vite. On doit partir, laissez-la tranquille. Allez, dépêchez-vous. Dépêchez-vous, il y a la police qui arrive vite. Laisse-la! J'avais 3 mois de grossesse quand moi et mon mari avions été visités par des voleurs de mer. Stanley! L'un des Stanley! De violer, mais Stanley l'en a empêché. Stanley! Et pendant Stanley, qu'il le faisait, Stanley! Stanley! Les filles, Stanley! Dessus. Stanley! Alors, c'est comme ça que j'ai perdu mon Stanley. Ce qui me soulage le plus, c'est le fait que ces bandits ont été saisis et achevés par la police. 9 mois après, j'avais accouché de mes deux filles. Et c'est comme ça que je les ai élevées toutes seules, sans l'aide de qui que ce soit. Tous les hommes qui m'approchaient dès qu'ils apprenaient que j'avais des enfants, c'était la fin de l'histoire. Je ne les blâme pas non plus. Qui voudrait porter ce fardeau d'une femme qui a 2 enfants, même pas 1, mais 2? Ce n'est pas facile. Ok, je comprends parfaitement ta situation. Je comprends. Ce n'est pas facile pour une femme d'avoir des enfants et rester seule. Ça sera trop demandé, je le sais. Mais je le demande aussi pour avoir une opportunité de comprendre tes problèmes. Ok? Accorde-moi une chance pour rendre ta vie heureuse, tant pour toi que pour tes enfants. Merci. Je peux les rencontrer? Il n'y a pas de problème, vous serez invité à la maison. Non, le week-end, c'est trop loin. Est-ce que je peux le voir aujourd'hui? Ok, il n'y a pas de problème. Merci.
Bienvenue, maman. Salut, les filles. Qui est-ce? Je suis l'oncle Folarine, l'ami de votre mère. Oh, bienvenue, oncle Folarine. Bienvenue, oncle Merci. Folarine. Prenez place. Merci. Et laquelle de vous est Sonia? C'est moi, Sonia. Et elle, c'est ma petite sœur, la plus laide. Elle pense qu'elle est plus belle que moi. Bien sûr que je le suis. Vous deux, vous êtes toutes deux jolies, ok? Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Je crois que c'est vos devoirs. Oui, on est en train de faire des devoirs, mais c'est très difficile. Je ne sais pas pourquoi est-ce que monsieur nous avait donné un devoir difficile. Laissez-moi regarder, s'il vous plaît. Écoutez, la physique est difficile, mais elle est plus facile lorsque vous maîtrisez les règles et principes, ok? Je vais vous aider à les faire, ok? Ah, ça c'est pour toi. Oui. Vous avez un stylo? Au fait, c'est ça la première et la deuxième. Ok. À votre soif. Merci. Caractéristique de la molécule fluor. Vous l'avez étudié à l'école? Oui. Ok. Alors, qu'est-ce qui cause les changements de température? C'est lorsque les molécules sont transformées en... Es-tu sûr que vous l'avez appris à l'école? Ok. Lisons un peu ici. Oh, c'est écrit ici. Oui, tu étais presque. Merci, oncle Folarine. Tu es vraiment intelligent. Ok. Vous avez épuisé votre temps. Donnez-nous maintenant l'espace de parler entre adultes. Oh, maman, on n'a même pas encore fini avec lui. Ok, ok, pas de problème. J'aurai beaucoup de temps avec vous, ok? Je viendrai vous voir et on va beaucoup s'amuser. Oui. Allez, chop, chop. D'accord. Bye. Franchement, tu sais, tes filles sont très amusantes. Tu les as très bien éduquées. Merci beaucoup. Je ne les ai jamais vues aussi confortables avec un étranger. Petite rectification, je ne suis pas étranger. Je suis un ami de la famille. Désolée, l'ami de la famille. Maintenant que tu connais assez de moi, parle-moi un peu de toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment savoir de moi? Tu me connais, bien sûr. Je suis Folarine. Bien sûr que oui, ça c'est ton nom. À part ça, quoi d'autre? Dis-moi plus. Ok. Je suis un veuf. Oh, désolé. Était-elle malade? Oui. Elle est décédée du cancer. Oh. Je suis désolée. Pas de problème. Je crois qu'elle est allée à la meilleure place. Bien sûr que oui. J'espère que je ne t'ai pas stressée. Non, pas du tout. Je n'ai rien compris de tout ce que ces enfants ont fait. Oh, est-ce que tu peux me permettre d'apprêter le dîner? Je dois déjà partir. Pourquoi vous n'attendez pas les dîners? Même prochainement. Oncle Folarine, tu vas? Oui, chérie. Je dois déjà partir. Mais je promets de venir vous voir. Ok? Okay? Nous allons sortir et on va beaucoup s'amuser. Ok. Merci d'être venu. Je t'en prie. Portez-vous bien. Pareillement. Bye. Au revoir. Je l'ai apprécié. Je l'aime aussi. Allez, vas-y à la cuisine, apprêtez le dîner. Il doit vraiment t'aimer. Bien sûr que oui, je l'aime aussi. Oh. Devine quoi, même les filles l'ont beaucoup apprécié. Wow. Allez, dis-moi, est-ce qu'il a demandé officiellement de sortir avec toi? Non. Pourquoi? Je ne sais pas. Tu sais, ce n'est pas toutes les relations qui commencent avec une proposition de mariage. Oh. Et ça, c'est mon cas avec lui. Oui. Tu l'aimes, c'est ça? Bien sûr que je l'aime. Ma belle, n'est-ce pas que je prie pour un homme qui va m'aimer, moi et mes enfants? Et tu es là en train de me demander si je l'aime? Oh. Bien sûr que je l'aime. Si je ne l'aime pas, seras-tu en mesure de le compenser? Tu sais quoi? Je suis très contente pour toi. Oui, sérieux. Finalement, Dieu a répondu à tes prières. Oui, enfin. Madame, tu adores les racontars. Pourtant, tu as beaucoup de boulot à faire. Mais tu passes quand même ton temps à vouloir savoir ce qui se passe dans la vie des autres. S'il te plaît, arrête-moi. Laisse-moi me réjouir. Laisse-moi vivre ma vie comme tu la veux. Allez-y, entrez, entrez. Oh, merci. Merci, oncle Folarine. On a beaucoup aimé la sortie. Je suis très heureux comme vous l'avez apprécié, ok?
Et vous savez quoi? Ça, c'est juste le début de toute chose. Il y a des grandes choses qui arrivent. Okay. Et je promets de venir encore le dimanche. Ah. Merci beaucoup. Allez, les filles, excusez-nous. D'accord. Waouh. Je me suis aussi très bien amusée, moi aussi. Oh. Folarine. Merci beaucoup. Ça fait très longtemps que ces filles se sont aussi amusées. C'est un plaisir, Belladonna. C'est quoi, Belladonna? C'est la plus jolie de toutes les femmes en Italie. Et les bel hommes, comment on les appelle? Bellomo. Ok, merci, Bellomo. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit Bellomo. Je t'aime, chérie. Je t'aime aussi, bébé. Oui? Maman, Sonia s'est évanouie. Quoi? Oh mon Dieu! Où est-elle? Docteur, les résultats sont prêts? Oui, ils le sont. Et eux? Après les examens, nous avons trouvé que l'un de ses reins est endommagé. Oh mon Dieu! Et le second est presque pareil aussi. Non, ce n'est pas possible. Elle a besoin d'un rein. Ce qui signifie qu'il lui faut un greffage de rein. Un greffage de rein? Exact. Où est-ce que j'aurai cette somme d'argent? D'où vient cette histoire? Mais docteur, qu'est-ce qui va arriver si on trouve le rein? Plus vite nous trouvons un rein qui soit compatible avec son groupe sanguin, nous l'emmènerons dans un hôpital spécial où elle aura tous les soins possibles. Et combien de temps cela va prendre? Pas trop de temps. Ok, ok. Je viendrai dans votre bureau, comme ça on va en discuter. Merci, docteur. Ok, sans problème. Bien, prenez soin de vous. Beverly? Calme-toi. Je sais comment tu te sens. Mais fais-moi confiance, elle ira mieux. Ok? Et je vais me rassurer que rien de mal ne lui arrive. Je paierai tous les frais qu'il faut. Juste pour assurer sa santé, ok? Elle ira mieux. Folami est vraiment l'envoyé des dieux. Donc tu veux dire qu'il veut payer pour la transplantation? Ma chère Aminata, je suis stupéfait. Ah. Tu vois que des fois la déception apporte de la bénédiction. Si Raymond n'était pas parti, tu n'allais pas tomber sur Folami. Tu n'as pas tort. C'est tous les jours qu'elle me donne des raisons de l'aimer. Je n'ai jamais aimé un homme autant, à part Stanley. Oh, alors, comment il va? Bien, nous sommes toujours à la recherche de reins compatibles. Tous les gens que nous avons trouvés jusqu'ici ont de groupes sanguins différents d'elle. Mais mon sang n'était pas compatible au sien. T'inquiète pas, très bientôt, nous allons trouver un donneur compatible et tout ira bien. Amen. Salut, Bev. Comment tu vas? Bienvenue, Folarine. Merci. Et comment elle va? Nous sommes juste là, attendant le docteur. Oh. Oh, docteur. Oh, bonjour. Oui. Une nouvelle? Désolé, mais je n'en ai pas une bonne. Voyez, nous n'avons pas été capables de trouver un rein qui soit compatible à elle. Ce n'est pas facile de trouver un rein de groupe O positif. O positif? Exact. Je suis O positif, je peux donner le mien? Oui, bien sûr, vous le pouvez, mais d'abord nous devons faire quelques tests afin d'être sûr que vos reins tous les deux sont compatibles. Comme ça, vous pourrez donner. Alors? Quels sont les processus qu'il faut? Comme ça, on peut commencer déjà. Je vais préparer l'opération pour quelques tests. Les infirmières vous appelleront dès que c'est bon, ok? Ok. Oh, merci beaucoup. Non, c'est rien, ne t'en fais pas. Folarine. Beverly. Tu es l'envoyé de Dieu. Je ne m'attendais pas à ce que Dieu me bénisse avec un homme comme toi. Je t'avais fait une promesse.
Je t'avais dit que je serais toujours là pour toi. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Merci. C'est bon. Tout ira mieux. Je suis reconnaissante à Dieu que cette opération ait été un succès. Je ne sais pas ce que je ferais si j'avais perdu l'un de vous. Dieu est suprême. Tu ne vas plus encore pleurer. Amen. Amen. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu es un cadeau et je bénis Dieu de ce que tu sois entré dans ma vie. Tu n'as apporté d'autre que la joie. J'ai béni les jours où je t'ai rencontré. Merci de m'avoir permis de te rendre heureuse. Je peux voir que vous passez tous un bon moment en famille. Mais je suis venu vous informer que vous pourrez très bientôt sortir. Merci beaucoup, docteur. Merci pour tout ce que vous avez fait. C'est normal. Je ne faisais que faire mon boulot. Merci beaucoup, docteur. Je suis très désolée, ma chère. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va. Est-ce que tu te rappelles de moi? Non, pas du tout. Désolée. Ok. Ah, ok, bien sûr que je me souviens de toi. C'est madame la policière. Comment ça fait longtemps? Oui, je veux bien. J'étais promis après votre situation et j'étais envoyée en dehors du pays. C'est vrai. En tout cas, vous le méritez. Franchement, la façon dont vous avez géré ces dossiers des criminels, c'était fantastique. Ok, merci. Je suis désolée pour votre perte. Ok, pas de problème. Je suis soulagée de voir que vous étiez en mesure de vous saisir de tous ces criminels. Merci beaucoup. De rien. Maman, c'est déjà pris. Ah, c'est vrai? D'accord. Oui. C'est votre fille? Oui, elles sont jumelles. J'avais 3 mois de grossesse pendant cet incident. Oh, elle est tellement mignonne. Au moins, vous êtes restée avec le souvenir de votre mari. Merci, nous devons nous dépêcher maintenant. D'accord, il n'y a pas de souci. Bye. Prends soin de ta mère. Wow. Ce n'est pas du tout une bonne chose. Tu lui as laissé partir seule. Et ce n'est pas du tout gentil. Raconte-moi à propos. Enfin, elle est de retour. Je suis vraiment très heureux. Va un peu voir. Laisse-moi aller voir. J'arrive. Oh! Quelle surprise! Comment tu m'as localisée? En fait, j'étais venue voir quelqu'un qui est votre voisin et j'ai rencontré votre fille. Oh, ma fille que vous avez vue à l'hôpital. Prenez place, s'il vous plaît. Merci. Bienvenue. Chérie, c'est la dame dont je t'ai parlé. Toi? Je suis confuse. Vous vous êtes déjà rencontrés? Dépêche! Les gars, on doit partir vite! On doit partir, laissez-la tranquille! Allez, dépêchez-vous! Dépêchez-vous, il y a la police qui arrive vite! Laisse-la! Je crois qu'ils étaient tous tués. Oui. Excepté lui qui était condamné à 10 ans de prison. Mais il est quand même arrivé à survivre. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Mon amour, laisse-moi t'expliquer. Étais-tu parmi les gangs qui nous ont dérobés et qui ont tué mon mari? Oui ou non? Oui ou non? Oui. Oui, mais je... Va-t'en de cette maison. Va-t'en! Mais laisse-moi... Oh! Oh, les filles, comment vous allez? Bien. Oh, oui. Oncle Foularine. Est-ce qu'on peut s'amuser? Va-t'en, Foularine!
Oh, d'accord. D'accord. Excuse-moi. Maman, est-ce que tu vas bien? Pourquoi as-tu chassé l'oncle Follarine de la sorte? Je n'ai pas envie d'en parler maintenant. Tu peux tout nous dire. Allez dans la chambre. S'il vous plaît. Je ne pouvais croire à Madame l'officier jusqu'à ce qu'il me l'avoue lui-même. Qui aurait cru qu'un gentilhomme comme Follari serait un voleur? C'est dur de croire que la même personne qui a porté la joie dans ma vie et celle qui l'avait ôtée pour la première fois. Ah. Je... Beverly, je suis désolé. Je sais que j'étais blessé. Et je sais combien tu es choqué. Et je sais que ce sont mes actions qui t'ont mis dans cette situation critique. Mais pardonne-moi, s'il te plaît. Dehors. Je suis désolé. Dehors! Monsieur, s'il vous plaît, vous devez partir. C'est clair qu'elle n'a pas envie de vous parler. Beverly, je te demande juste une minute. Comme ça, je peux facilement expliquer. Disparais d'ici maintenant. Partez, je vous en prie, monsieur. Que Dieu te rétribue pour le peine que tu m'as causé. Je ne suis pas un voleur. Je ne le suis pas. Vous devez partir, monsieur, s'il vous plaît. Ok. Aide-moi à lui parler. Partez, s'il vous plaît. Ok? Je suis désolé. Oh. Beverly, c'est bon. Allez, ça va aller, ok? Pourquoi vous êtes réveillée? Comment est-ce qu'on peut dormir alors que tu es triste? Je veux bien. On sait que tu n'es pas bien. On sait que tu es fâchée contre oncle Follarine. Alors c'est quoi le problème? Je n'ai pas envie d'en parler. Maman, peu importe ce que oncle Follarine a fait, on peut toujours pardonner. C'est un humain, maman. L'erreur est humaine. Ça fait quoi, c'est une bonne personne? Oui, maman, pour une première fois dans la vie... Nous avons eu l'expérience de vivre avec un père, hein? Peu importe ce qu'il a fait, s'il te plaît, pardonne-lui. Amina, je n'ai pas d'autres entrées. Et tu es la seule personne à qui je peux parler. Désolée, mais tu sais que je ne suis pas la bonne personne à qui tu dois parler. Et Beverly ne sera pas ravie de nous voir ensemble. Je sais. Mais Beverly ne veut pas me voir, il ne veut pas non plus me parler. Je ne saurais t'aider, désolée. Je veux juste que tu m'écoutes, ok?
écoute-moi très bien. Peut-être en m'écoutant, tu vas facilement comprendre pourquoi j'étais impliqué dans cet acte criminel. Tu vas plaider pour moi. Ok. Je t'écoute. Donc, tu veux dire que tu avais rejoint le groupe des criminels juste pour sauver la vie de ta femme? Oui. Et je ne savais pas qu'ils partaient pour tuer quelqu'un. J'avais juste reçu l'ordre de les accompagner et c'est tout. Mais cela ne justifie pas tes actes. Je n'essaye pas de justifier ce que je fais. Non, pas du tout. Ce que je fais, c'est vraiment participer à un acte criminel. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a mené en prison et je priais que Dieu puisse la consoler. Je lui ai fait du mal. Et je veux qu'elle me pardonne. Ah. Ok, je vais te conduire à son bureau. Je vais la supplier de t'écouter. Merci. Hey, Beverly, ça va? S'il te plaît, Beverly. Mm-hmm. S'il te plaît. Je t'en prie, calme-toi. De quoi parles-tu? S'il te plaît, essaie de l'écouter. Je t'en prie. Ne le chasse pas. N'est-ce pas que je t'ai dit je t'en prie, de ne Beverly. Plus mettre de pied dans mon bureau? Beverly, ta colère sur moi est vraiment fondée. Et tu as tout le droit dans le monde pour me punir. Je sais que je ne peux rien dire qui peut changer ta perception. Mais s'il te plaît, je suis venu pour t'expliquer. Je veux que tu saches que ce qui s'est passé d'il y a 15 ans n'était pas du tout de ma faute. Et je le regrette. Mais je veux aussi que tu saches que je ne suis pas un voleur. Honnêtement, j'avais décidé de rejoindre cette mission criminelle. Seulement parce que j'avais besoin d'un peu d'argent pour soigner ma femme qui mourait du cancer. Je ne savais pas qu'il partait pour tuer quelqu'un. Je suis désolé. Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Je t'ai causé beaucoup de douleurs. Et pendant tout mon temps en prison, j'ai prié et j'ai demandé à Dieu de me pardonner pour t'avoir conduit dans cette situation. Qu'il te console. Quand j'ai encore posé mes yeux sur toi en ces magnifiques jours-là, et que tu ne m'avais pas encore reconnu, j'avais trouvé une opportunité de corriger mon erreur. Je suis tombé amoureux de toi et de tes précieuses filles. Et quand tu m'as parlé de Sonia et Tonia, c'était encore une opportunité de venir près de toi, te rendre heureuse. Je sais que tu me hais, et je sais que tu me détestes, et je sais que tu ne voudras plus me croiser encore. Je sais la douleur que tu ressens, mais je veux aussi te remercier pour l'opportunité que tu m'as offerte de te donner un nouveau sourire, mais aussi pour tes filles. Pardonne-moi, Beverly. C'est tout ce que je peux te demander. Bonne journée à toi. Folarine. Je ne saurais pas peut-être dire qu'est-ce que tu as fait. Ne m'a pas brisé le cœur. Tu m'as profondément choquée. En même temps, je ne peux pas non plus ignorer ce que ta présence dans ma vie m'a apporté pendant ces peu de temps. Il est vrai que tu as rapporté la joie dans ma vie. Mais te voir ici, où tous les jours dans ma vie,
ne sera qu'en train de me rappeler ces mauvais souvenirs peines que j'essaye d'oublier. Nous sommes humains. Nous commettons des erreurs. Certes, nous souhaiterions continuer les chemins ensemble. Mais un certain nombre de choses que je n'arrive pas à accepter jusqu'ici. Oh. Je te pardonne. Mais nous ne pouvons plus continuer dans cette relation. Je te souhaite tout le meilleur du monde. Beverly. Goodbye. Je peux dire que tes paroles ont vraiment libéré mon âme. Je me sens racheté et surtout très heureux aussi. Merci. Merci. Studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.